Ok, on va parler de Monsieur Charles White. On va parler de Monsieur KPC. Et on va parler de l'épouse de Charles White. Moi, je ne voulais vraiment pas parler de ça. Je ne voulais vraiment pas en parler. J'ai soutenu Charles White. Voilà. Je l'ai soutenu parce que quand j'ai fait ma vidéo, je l'ai soutenu, je l'ai dit qu'il était, il avait tout mon soutien et je suis de cœur avec lui. Parce que quelle qu'en soit la haine que tu as pour une personne, il y a tellement de choses qu'on peut se venger d'une personne qui nous a fait du mal. Si vraiment, il faut vraiment se venger. Si vous n'arrivez pas à pardonner, mais ce n'est pas prendre la nudité de quelqu'un, mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, vu la sortie de sa femme hier, d'accord? C'est pourquoi je vais venir parler un peu. Et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo à la femme de Charles White. Et Charles White, Kaguiné, je vais m'exprimer en soussou parce que c'est quand tu parlais, je pense que tu parlais plus soussou. Je pense que tu comprends plus soussou et tout. Donc je vais parler soussou. Tu vas m'écouter. Madame Charles White, je vais te dire une chose, madame. Si tu penses que les réseaux sociaux peuvent résoudre tes problèmes dans ton foyer, tu t'es trompée. Si moi, tu étais ma soeur, si moi, tu étais une connaissance à moi, si moi, je te connaissais et quand je te parlais que tu allais m'écouter, jamais tu n'allais faire la sortie que tu as faite. Jamais tu n'allais venir chercher raison sur ton mari. Et au-delà qu'il soit ton mari, le père de tes enfants, le père de tes 5 enfants. Parce que tu as un enfant, vous vous êtes marié, tu avais déjà cet enfant, que toi-même tu as dit que cet enfant-là, ne connaît que père, que Charles White. Donc moi je dis que tu as 5 enfants pour Charles White, parce que c'est lui qui l'a éduqué, c'est lui qui a, voilà, c'est lui qui a été un bon père. D'abord, ce n'est pas tous les hommes qui épousent une femme qui a un enfant qui n'est pas d'eux. Donc, du moment où un homme a ce courage d'épouser une femme qui a un enfant et qui prend l'enfant là, parce que c'était promo, d'après ce que tu as dit, moi ici je parle à travers ton intervention, ce que je t'ai entendu dire. Voilà. Et je vais te dire que, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, ta sortie là, tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas faire cette sortie parce que c'est parce que tu as fait la sortie que Charles White aussi est sorti pour parler. Et je vais te dire aujourd'hui, si le nom de KPC apparaît dans l'histoire là, c'est de ta faute parce que c'est toi qui es sorti parler de KPC. C'est toi qui es sorti, tu as parlé. C'est toi qui es sorti parler de KPC. C'est toi qui es venu mettre le nom de KPC dans l'histoire là. C'est toi qui es venu se prononcer, qui a dit le nom de KPC. C'est toi. Et je vais vous expliquer un peu. Et d'abord ça, c'est pour Charles White. Monsieur, c'est Charles White. Mon frère. Le frère d'Ousmane, c'est mon frère. D'accord? À cause d'Ousmane, je te porte dans mon cœur. Hier, toi et Ousmane, vous étiez ennemis. Aujourd'hui, vous êtes devenus des frères. Et moi, je suis la grande sœur d'Ousmane. Donc, le frère de mon frère, c'est mon frère. Je veux juste vous dire que KPC, c'est un grand monsieur qui a un grand cœur, qui fait beaucoup de choses pour les gens. Je ne pense pas que tout ce que KPC a fait. Attendez, je vais bloquer les gens. Je ne sais pas où sont mes modérateurs là. Vous êtes tous les modos là. Faut bloquer les gens là, pardon.
Les gens qui ne changent jamais. Non. Voilà. Appelez-moi, pardon, partagez-moi le live à Ousmane. Partagez le live à Nielo, il va venir. Il va venir. Bloquer les personnes qui ne changent jamais. Là. Donc, moi je pense que. KPC que. Moi, Fatou. Que je connais. KPC. Moi, qui est mon grand frère. Que je connais là. Jamais de la vie il va faire du bien à quelqu'un et puis il va en parler. KPC fait du bien à des milliers, de milliers, de milliers, de milliers de Guinéens. KPC fait du bien à des milliers, de milliers, de milliers, de milliers de personnes qui ne sont même pas Guinéens. KPC, c'est quelqu'un, naturellement, c'est un homme qui aime faire du bien. C'est un homme qui vient à l'aide des gens. Moi, personnellement, je ne sais pas combien de personnes j'ai recommandé chez le grand qui étaient dans le besoin. Il les a aidés. Le chemin de la vie s'est sorti. Moi, là, moi, s'il y a des gens qui ont fait quelque chose pour moi, il fait partir KPC. Et si ce n'est pas aujourd'hui, j'ai dit ici, les gens ne, y a, en fait, les gens ne pensent même pas que même je le connais. Parce que jamais on nous a vus ensemble. Jamais j'ai parlé de lui. Je ne parle pas de lui. Parce que moi, les personnes que j'aime, mes amis, mes frères, les bonnes personnes qui sont là pour moi, jamais je vais parler d'eux. Je ne parle jamais d'eux. Du moment où je sais qui ils sont pour moi, et du moment où eux, ils savent là où je suis pour eux, là, ça me suffit largement. Donc, je n'ai pas besoin de venir faire des publicités ou parler, machin. Non, 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 non. Donc, KPC, naturellement, c'est un grand monsieur qui a un grand cœur, qui fait du bien aux gens. Il ne parle pas. L'histoire, là, madame. Madame Charlotte. Je vais te parler. Madame Charlotte. Ce que tu as fait là, on ne le fait pas. Tu es venu mettre aujourd'hui, si KPC est insulté aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si Charlotte est insulté aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ta sortie là, fallait pas le faire. Tu devrais se taire. C'est ton mari. C'est le père de tes enfants. Et s'il y a un problème aujourd'hui entre KPC et Charles White, c'est toi la responsable. Si aujourd'hui Charles White est fâché contre KPC, c'est toi la responsable. Oui, parce que quand j'ai entendu là où toi, une femme mariée, tu te permets de dire, même si je couche avec lui, c'est toi qui as fait ton arabari. Ah ma chérie. Même si Charles White t'appelait pour te dire, ah, il paraît que tu sors avec Charles White. Il paraît, KPC, il paraît que tu fais ça avec Charles White. J'allais lui dire, je ne sais pas comment tu l'appelles. C'est papa, c'est tonton, c'est bébé, c'est mon mari, c'est mon amour. Je vais dire, tu penses que moi je suis capable de faire ça? C'est pas toi qui m'as présenté ce monsieur. C'est pas toi qui as fait que j'ai connu ce monsieur. C'est pas toi qui nous a montré. C'est pas toi qui nous a confié à ce monsieur. Qu'Allah m'en garde de faire des choses comme ça. Jamais. Tout sauf ça. Je sais, c'est normal, tu es un homme, tu es jaloux. Mais il ne faut même pas penser. Je ferai tout sauf ça. Tout sauf ça. C'est pas ma beauté qui fait que KPC m'aide. C'est pas parce que je suis femme que KPC m'aide. C'est pas parce que je suis Kaba que KPC m'aide. KPC m'aide parce que je suis ta femme. Et c'est parce que ça vient de toi. Donc, jamais, il ne faut même pas penser qu'il y a quelque chose peut arriver un jour entre KPC et moi. Ma chérie. C'était ça, ta façon de parler à ton mari. Rassurer à ton mari que... Non,
Mais c'est toi qui as fait croire à ton mari que oui, que tu as quelque chose entre toi et KPC. Même si on fait ça, et t'en as rabarre. Tu n'es pas la copine de Charles White. Tu es sa femme mariée. Vous avez 5 enfants ensemble. Parce que moi, ton premier fils là, ou fille, je ne sais pas. Ton premier enfant quand même là, je le considère comme le... Parce que c'est toi qui as dit que... Depuis qu'il avait 6 ans ou 3 ans, je ne sais pas trop. Il est avec Charles. C'est Charles, il connaît. Comme papa. Et tu penses que ton mari, ton époux, quelle qu'en soit sa faiblesse, quelle qu'en soit sa pauvreté, quelle qu'en soit ce que il n'est rien, il n'a rien, il va jamais accepter de savoir que sa femme, légalement mariée, peut aller coucher avec même le président de la République. Il ne va jamais accepter ça. Il ne va jamais tolérer ça. Parce que c'est sa femme, légalement mariée. C'est toi qui as mis dans la tête de Charles qu'il y a quelque chose entre toi et KPC. C'est toi aujourd'hui qui fait qu'on insulte. C'est toi qui as vilipendé KPC aujourd'hui. C'est toi aujourd'hui qui fait que les gens parlent de KPC. C'est toi aujourd'hui qui fait que les gens parlent de ton mari Charles White. C'est toi, ma chérie. Tu ne devrais pas sortir parler. Tu ne devrais pas du tout sortir parler. Ma chérie, moi, à ta place, tu sais, aimer quelqu'un, c'est quoi? C'est de l'aimer, c'est d'être là quand tout le monde l'abandonne. C'est d'être là quand tout le monde veut le manger. C'est d'être là quand tout le monde veut le brûler. Tu n'as pas été une bonne épouse, ma chérie. Je suis désolée, mais ce n'est pas ça. Tu n'aimes pas Charles White. Je suis désolée de le dire, mais Amoura Fema. Khara Fema, c'était le moment d'être là avec ton mari. Même si tu sais, même si quoi, l'infidélité, c'est l'infidélité de Charles White qui est sortie. Les hommes, les 98% des hommes, ils sont infidèles. Tant que l'homme n'envoie pas la femme dans ton lit, tant que l'homme, il sort, il va ailleurs chercher femme, ma chérie. Dis Dieu merci. Tous les hommes, presque, les 98% des hommes, c'est des infidèles. Ils ne sont pas fidèles. L'infidélité, c'est pour ton mari que tu connais. Tes amis, là, peut-être eux, elles n'en parlent pas. Ou tes soeurs, ou tes cousines, ou tes connaissances. Mais nous, femmes, là, on sait chacun de nous ce que nous vivons dans nos foyers. Dans notre foyer là. Nous les femmes là, on sait ce que nous vivons dans nos foyers là. Moi heureusement sur les réseaux. Je suis mariée ou pas. Voilà, ma vie privée reste privée. Je suis célibataire ou mariée là. Ça n'engage que moi. Et ma famille et mes proches, ceux qui connaissent réellement ma vraie vie. Donc c'est pourquoi jamais de la vie, je vais venir parler de quoi que ce soit de ma vie privée. Mais ma chérie, Kaba. Si tu aimais Charles White, tu n'allais pas sortir. Si tu aimais Charles White, ta sortie là, même si tu appelles ton mari, il ne te décroche pas. Il ne te décroche pas parce qu'il a, il veut pas te parler. Mais parce que peut-être il était gêné avec l'audio qui est sorti et qui n'est pas toi. Il a parlé d'une autre femme là-bas. Donc les hommes souvent... Quand ils font des bêtises et tout, ils auront honte de venir vers leur femme. Ils peuvent te bouder. Il y a d'autres même qui peuvent chercher à renverser le problème, remettre sur toi pour ne pas qu'ils soient réprochés. Hey. Quand on est digne là, la honte, tu ne peux pas supporter la honte. Quand on est digne, la honte, on ne pourra jamais supporter. Donc, ce qui sait, peut-être que il t'a pas appelé, vous n'avez pas parlé parce que tout simplement il était gêné, il avait honte. Ma chérie, tu n'as pas fait là. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu n'as pas été, moi, Fatouille, je te dis, tu n'as pas été une bonne épouse pour ton mari. Tu n'as pas été une bonne personne que les gens ont aidé. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que KPC subisse là, c'est grâce à toi. C'est toi qui es sorti parler de KPC. C'est toi qui es sorti s'expliquer. Pourquoi s'expliquer, ma chérie? Tu vas t'expliquer pourquoi.
raison sur l'opinion publique. Tu préfères ça que d'avoir, en fait, tu préfères l'avis des gens, l'opinion des gens sur les réseaux, que d'avoir la confiance de ton mari. D'avoir l'estime et aussi la considération de ton mari. C'est l'avis des gens qui t'intéresse, en fait. C'est l'opinion des gens qui t'intéresse. C'est pourquoi tu es sorti te justifier. Si tu sais que ce n'est pas toi qui est filmé, qui est fait sortir cette vidéo, ma chérie. Même si Charles dit que c'est toi, il a laissé toutes les femmes du monde. Il a laissé la deuxième. Il a dit c'est toi. Toi qui as 5 enfants pour lui. Parce que moi, je vais toujours mettre ton premier enfant. Charles a dit c'est toi qui as 5 enfants pour lui. Toi qui as fait 15 ans avec lui. Même si ce n'était pas vrai, ma chérie, si tu vois parmi toutes les personnes, c'est sur toi, Charles a mis ça. Fallait accepter parce que peut-être il a mis sur toi dans sa tête que vu toi, tu es son épouse. Vu toi, vous deux là, vous venez de loin, tu pourras accepter. Il peut tout mettre sur toi et tu acceptes. Qui sait? Donc toi, tu n'as pas réfléchi parmi toutes les femmes. Il y a une autre femme qui a fait sortir l'audio. Il pouvait dire que c'est cette femme. Il y a tellement... Mais il a laissé la deuxième. Il a dit c'est toi. Pourquoi il a dit c'est toi? Parce que dans sa tête, toi, tu étais une protectrice. Parce que dans sa tête, toi, tu es le père, ce que la mère de ses enfants. Toi, tout le monde va le voir tomber, sauf toi. Parce que vous venez de loin. 15 ans n'est pas 15 jours. 15 ans n'est pas 15 mois. 4 enfants. Ah, ça, c'est pas petite chose. Donc, si Charles a pris ça, il a mis sur toi, ma chérie. Tu as des enfants pour lui. Tu es sa femme, l'épouse. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu ne devrais pas sortir. Toi ou toi, tu allais parler avec Charles. Tu allais lui dire, hey, papa. Papa, j'accepte ce que tu as dit aux gens. Mais je veux que tu parles à nos enfants pour ne pas que demain, dis aux enfants que tu as mis sur ça sur moi pour sauver ton honneur. Parce que quelle qu'en soit la nudité de X ou de Y, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, si c'est ton mari qui met ta nudité au dehors, tu seras la femme la plus fière du monde. Les gens vont te soutenir parce que c'est ton mari qui t'a exposé. Si c'est ta femme qui t'a exposé, tu vas être l'homme le plus fier et heureux parce que c'est ta femme qui t'a exposé. Tu allais dire, papa, j'ai accepté ça. Charles, j'ai accepté. Mais dis à nos enfants pour ne pas que demain, ils pensent que moi, je peux faire ça à leur père. Fais asseoir les enfants. Tu vas dire aux enfants que tu as mis ça sur moi pour sauver ton honneur. Parce que tu n'es plus une petite personne. Tu es une grande personnalité. Aujourd'hui, tu es un ministre et tout. Peu importe, tu es magistrat. Donc, tu as ton honneur à sauver. Ma chérie, tu sais c'est quoi aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est de le protéger. Aimer quelqu'un, c'est de supporter des choses que toi-même, tu sais que si ce n'est pas par amour, jamais tu allais supporter ça. Maintenant, tu as sorti pour venir parler de KPC, parler de Charles White. Toi, c'est l'opinion des gens qui t'intéressent. C'est l'avis des gens qui t'intéressent. C'est le jugement des gens que tu avais peur. C'est pourquoi je suis très différente des gens. Moi, tant que Dieu, le prophète Mohamed, paix sa lui sur lui, et la personne concernée sait que nous deux, ce que tu dis, tu sais que c'est pas ça. J'en ai rien à foutre de m'expliquer ou de donner ce que tu as fait, tu as parlé. Maintenant, ça va faire quoi? Aujourd'hui, des filles qui n'ont pas de foyer, des vieilles, ce que du n'importe quoi, des personnes qui ne connaissent même pas le foyer. Il y a des gens, même jamais, elles se sont mariées ou ils se sont mariés. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'importance du mariage. C'est eux aujourd'hui qui sont là sur les réseaux en train de parler, dire du n'importe quoi. À cause de toi. Pourtant, toi, tu as fait 15 ans de mariage. Tu connais c'est quoi le mariage. Ma chérie, tu as tort. Moi, aujourd'hui, je pouvais ne pas croire que cette vidéo, que ce n'est pas toi qui a fait sortir. Mais ta façon de parler, l'arrogance que tu as. En fait, tu veux sauver toi ton honneur et laisser ton mari. Ma chérie, tu sais qui devrait être ta fierté, ton bonheur? C'est ton mari. C'est ton mari qui devrait être ton bonheur. C'est ton mari qui devrait être
ce que ta fierté. C'est ton mari qui devrait être ta dignité. En fait, toucher à ton mari, ils ont touché à ta dignité. Là, c'est lui qui devait être toi, ta dignité, ton bonheur, ton honneur. Mais ma chérie, en fait, je vois certaines personnes. Si vous pensez que les réseaux sociaux peuvent arranger vos problèmes, Charles n'est pas ton copain. Hein? Tu es issu d'une famille. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui t'ont montré Charles. Ce n'est pas sur les réseaux que vous avez fait votre mariage. Vous êtes issu d'une famille. Tu as ta famille, Charles a sa famille. Quel qu'en soit le problème entre couples, arrangez, gérez ça dans vos familles. Moi, qui peut dire qu'il connaît mon mari ou le père de mes enfants, comme je ne sais pas. Qui peut dire ça? Qui m'a vu venir parler d'eux une seule fois? J'ai fait combien d'années de mariage? Mais je ne suis pas là pour ça. Les réseaux sociaux ne vont jamais apporter du bien dans mon foyer. C'est de détruire et tout. Donc pourquoi venir parler de la vie privée, de maman, ma vie privée? Pourquoi? Vous pensez que venir parler de votre mariage, de votre vie privée sur les réseaux, ça va vous apporter? Par contre, ça vous détruit. Si Charles White si Charles White est dessus de toi, tu devrais chercher la confiance de Charles White et non la confiance des gens des réseaux sociaux. Charles White, oui, c'est lui qui doit avoir confiance en moi. C'est lui mon mari, c'est lui le père de mes enfants. Donc quand lui, il sait la vérité entre nous, quand lui, il a confiance en moi, quand lui, il m'estime là, c'est ce qui est important. Mais les autres là, leur avis là. Maintenant tu es venu, tu as parlé. Tu as exposé aujourd'hui, si les deux là sont mélangés, si KPC et Charles White est en guerre, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, s'il y a bras de fer entre les deux hommes là, c'est grâce à toi. Parce que pour rien au monde, tu n'allais venir parler de KPC. En arrêt. Ma chérie, je vais te dire. Bon, ça c'est pour Charles White. Charles White, KPC, que moi je connais en personne, qui est moi mon frère, j'ai recommandé des gens pour qu'ils fassent du bien pour eux. Moi, personnellement, s'il y a des gens qui ont fait du bien pour moi, qui m'ont marqué dans ma vie, à chaque fois que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui est urgent, si je peux compter, KPC fait partie de ces personnes-là. Et jamais de la vie, il va parler. Jamais de la vie, KPC va se prononcer et dire que j'ai fait. Charles White, c'est ta femme qui allait dire aux gens tout ce qui s'est passé. Quand même, je suis fière de toi. Hein, parce que moi, personnellement, tu me fais du bien. Quand tu me fais du bien, et puis après, j'entends ça dans la bouche de certaines personnes, je ne veux plus. Parce que quand je te demande service, je ne t'ai pas demandé service pour aller dire aux gens. Je pouvais venir, si c'était pour que les gens changent, je pouvais venir sur les réseaux faire SOS. Là, ce n'est pas privé. Mais quand je t'appelle, je te demande service en privé. Si après j'entends ça dans la bouche d'une autre personne, je ne veux plus le service que donc toi tu veux me rendre là. Donc si vraiment tu as appris que les services rendus, que ce que KPC faisait pour toi, pour ta petite famille, c'est normal. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin d'être aidé. Seulement Dieu, le reste là, tout être humain a besoin d'être soutenu par quelqu'un. Et rien n'est éternel. Personne ne peut soutenir quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Même nos parents, maman et papa, qui nous ont mis au monde là, c'est juste un temps qu'ils vont nous prendre en charge. Après ça, c'est nous-mêmes qui vont se chercher et puis eux les reprendre en charge. Donc rien n'est éternel. Quand à un moment tu as besoin d'être soutenu, d'être aidé, quand la personne t'aide, c'est pas éternel. Un jour ça va changer. Toi-même, étant un être humain qui sait ce qu'il veut, tu ne vas jamais accepter qu'on te prenne en charge jusqu'à la fin de tes jours. À un moment, toi-même, tu vas dire non, il est temps pour moi de me chercher aussi. Il est temps pour moi de me chercher. Donc, moi, je vais te dire, Charles. Mon frère, hein? Je te dis aujourd'hui, c'est ta femme qui est allée, madame, c'est toi qui est allée dire aux gens tout ce que KPC faisait pour vous. Maintenant, Charles White a pensé peut-être que c'est le grand KPC. Jamais de la vie. C'est toi, sa femme. Parce que vous aimez trop parler aux gens.
Vous aimez, ce que vous n'avez pas de secret. Vous aimez trop exposer vos vies aux gens. Ah, Charles, c'est ça, hein? C'est toi qui allais dire, ah, Yandi, il est ministre, quoi, Ntanyankape, c'est toi, c'est à travers toi que ça s'est sorti, ma chérie. Maintenant, Charles a pensé que, ouais, c'est KPC qui l'aide, c'est lui. Jamais, je peux mettre ma main sur le Coran. KPC ne va jamais dire ça. On envoie tout de suite le Coran. Voilà, je vais mettre ma main sur le Coran pour dire KPC ne va jamais appeler quelqu'un. Pour lui dire, moi, KPC, je prends la femme de Charles et ses enfants en charge. Jamais de la vie. Je connais KPC. Voilà, et je peux mettre ma main. Je peux donner ma tête à couper. Le grand ne fera jamais ça. C'est ta femme, Charles White. C'est elle, comme sa bouche là. C'est C'est elle qui est allée dire aux gens que c'est KPC que tu suis tes responsabilités. Ma chérie, moi, c'est à travers tes dits. Hein. C'est à travers ce que tu as dit. C'est là que je suis venue, je me suis assise, j'ai bien analysé, je dis non. Toi, sincèrement, tu as raté. Ce que tu as fait, tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas sortir t'expliquer. Tu ne devrais pas... C'est toi qui as parlé le nom de KPC. Et c'est toi qui sortais dire aux gens dans le passé, dans les téléphones, Antanyan, Charles Nya, c'est KPC. Ma chérie, KPC t'a pas aidé par la beauté. Hein? C'est parce que peut-être ton mari a demandé. Ou peut-être parce que lui, il a proposé à ton mari. C'est les deux. C'est des frères, c'est des amis. Voilà. Et puis les chaussées, et c'est normal que les gens s'entraident. Mais ma chérie, est-ce que tu sais, ma kanafi mrinde nan benaki? Parce que là, maintenant, KPC aura peur de faire du bien à certaines personnes. Moi, jamais de la vie, j'allais m'asseoir, venir parler de KPC à ta place. Alors, elle n'a KPC, il t'a un KPC, ma nord, ma chérie. Il t'a un KPC, ma nord. Il t'a un KPC, sur mère, il a tué Rawai. Barre, devrait pas dire le nom de KPC parce que Charles Mou KPC relief à la rue. C'est quand tu as parlé, il a le droit aussi de sortir parler. Il a aussi le droit de sortir s'expliquer. Et moi, du moment où il y a un avocat, il n'a rien que quand nous KPC et Baramoussa, il t'en a un barre. Ah, ma chérie, toi, ton mari, tu penses que Charles Nyangenara, tu penses que Charles est ton copain? Hali Charles Weto, tu vas voir, c'est un homme fier. Hali Ato ya Kolomane Akunye Gangri. Tu vois Charles, tu sais qu'il a Akunye Gangri. C'est des choses qu'il ne peut jamais tolérer. Sa femme, l'homme est tellement jaloux, même s'il n'aime pas la femme qu'il a épousée. Mais quand il va comprendre qu'il y a un autre homme qui couche sa femme, Kami Fakali Malavariki. Ça, je te dis aujourd'hui. Donc tu penses que Charles Weto Yenge Nanetana? Charles, c'est un homme. Charles peut sortir avec toutes les femmes. Charles peut faire tout ce qu'il veut. C'est un homme. Rien ne va changer dans sa vie. C'est un homme. Mais toi, tu n'as pas le droit. Oui. C'est pas bon pour ton image. C'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon pour tes enfants. C'est pas bon pour toi étant une femme respectueuse, une femme de foyer. Quand même, c'est Raba. Et puis, elle a gengé sur moi. Asa Raba, ma, kenenama. Et Charles t'a envoyé pour ta protection. Moi, en tout cas, je ne te connaissais pas. Tout le temps que Charles White était procureur là, nous, on n'a pas. Nous, t'as mon Nicolon. Il est devenu ministre. Et tu sais que là où il est, s'il y a quelqu'un aussi qui a des ennemis dans cette vie là, c'est ton mari. Ministre de la Justice. Quand tu es ministre de la Justice, les gens ne vont pas t'aimer. Et tu connais ton mari? Amalouma Mouyoube. Adela n'a pas problème là. Il n'a pas peur, il n'a pas. Sosedinara. Aya Koroko Birimba, y'a Koyakoulumane, que Charles Yagoroka Mugaouma. Y'a Koroko. Donc les gens ne vont pas l'aimer. Pour protéger sa famille, pour protéger ses enfants. Afaoura Samba Foteta. C'est normal. Comme ça, vous n'aurez qu'à dire ce temps. Tina, Tina, même s'il y a des problèmes à Lima, vous là, vous êtes épargné de tous les problèmes. Parce que vous, la Guinée, tôt ou tard, ils vont te faire payer ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont dirigé le pays là, qui sont à la maison centrale?
Hein? Donc si ton mari décide de te prendre, de t'envoyer à l'extérieur, il faut te faire. Il est un homme. Il est un homme. Il est un homme. Il faut bricoler là-bas, c'est normal. Eh, ma chérie, quand même ta bricole là-bas, mané. En tout cas, quelqu'un qui mange le sel, qui mange le sucre, qui est en bonne santé là. Il bricole là-bas, mané. Malheureusement, le rythme de l'anani, il y a un gamin qui est là, il est là, il est là, parce que il nous ramène sur le banc, il est là, 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 il est là. Il nous l'aura enregistré, il nous l'aura filmé. Hein? C'est des choses qui sont graves. Moi, je suis trop fière de moi parce que quand on me réenregistre, le bonheur, on aura ni madé ni d'abord. Madé. On est tous les frères et filles. Maintenant, la femme fan ni tongo. Quand on me réenregistre, ou bien ma téléphone tongo, ni filmé, on fait copier à faire. En fait, ni à la grande tanga. Nara ba la ni fali de ala kamu ni sa mtamma anisa made ma made tongo made frigné ata kunna nara ba camera ba ginera ba nara ba mira kana fema ala kan tam faga ni tongo ala na kana occasion fema don fin de ndena na wu mara ba ma mi kham kha fera de wara ba ma wota na nga fera wu la wo ko yete kolum mi mu la kha mi kana mi ila kha mi Mali, il est ramé Yalam. Et voilà, Tina Tina, c'est grâce à moi que cette personne est devenue ça. Il me rit Mali, Malokara Koulebede. Il me rit Mali, Mané, Alako, Alaha Koulebede. Donc la femme de Charlotte, Mouyoni soutenu Yukuyalima, la personne ne connaît pas la vérité. Mouyoni soutenu Yukuy, moi si tu étais ma petite soeur aujourd'hui, nous fiers la ramsa, mais faire, il faut bouner là, il faut la ramsa. Si moi je t'ai. Ta grande sœur, allez, parce que ça, c'est manque d'éducation en fait. Il n'a pas arrêté. Il t'envoie mon nom dit, ah, madé. Et puis même quand j'aime mon mari, tu n'aimes pas ton mari. Si tu aimais ton mari, il a un temps ça arrive où ma mère n'est pas là. Alors que c'est imaginé à la barre. Il n'y a pas de mal à moi. Nous minimane, hawa halin nous ouais manu. Na mane ela gineka wodi ala nunga nabebe wodi ya magamema wodi ya muma ala nunga nabe khafe ma telephone nan lwaye khimira mi hinne nan attaque be bande na minima en attaque parce que bara ko on deja mi hinne bara yire fala sur les réseaux sociaux il a den na kay il a hotel den na kay donc il nous mane nan sera ba man tan il ra place. Nous ne sommes pas là. 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 Nous ne sommes pas et non, ma soeur de Tanana. Et fa en attaque, mon mama fa la fée. Et fa en attaque, ma téléphone n'a souvenir. Et nous, ça, et tu parles. Il a fallu donc, et fa ton goût de vidéo nana. C'est vrai, ma ramène mon dit. Vidéo minerie. N'tala, n'tala mara minerie. Mais à minerie, ma canal, ma téléphone. La Guinée, Guinée, ramé, ou dia la nana, ou dia ma, ou dia ma ramé ma. Ma chérie, l'honneur de la femme doit être ton mari. Et si vous voyez aujourd'hui, vous êtes beaucoup d'entre vous, vous êtes célibataires. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la dignité. Ta dignité doit être ton mari. Ta dignité, ton honneur doit être ton mari. Gaïe, ta dignité, quelle dignité? Ta dignité doit être ton mari, ton époux. Ira ramé, à la roi, nous, bé, à nous, à la roi. La femme ne doit pas avoir. Tu sais là, il faut dire moi, mon honneur, c'est mon mari. Ma dignité, c'est mon mari. Ma dignité, c'est mon mari. Maintenant, elle est sortie, elle a dit que c'est pas elle. Elle a justifié, elle a parlé. Ok, son mari dit que c'est elle. Ça va changer quoi dans sa vie? De toute façon, la vidéo de Charles est sortie. Maintenant, comme elle est sortie là. Ma chérie. Hey. Tu es mariée, tu as des enfants pour l'homme.
L'homme te néglige pour aller où? Ton mari est ministre. Vous savez, moi, je n'en veux pas les gens qui n'ont pas côtoyé les personnes qui sont responsables. Les personnes qui ont eu des postes de responsabilité. Le poste de Charles White, quand tu es ministre, surtout ministre de la justice, devant, tu peux même t'oublier toi-même. Tu n'as même pas le temps de manger. Tu n'as même pas le temps de fois de te laver. Tu n'as même pas le temps de fois. C'est que tu as tellement de problèmes et tout. Il y a tellement de problèmes. Mais je ne vous en veux pas parce que vous n'avez pas côtoyé le pouvoir. Vous qui parlez là, à ma femme, à mon mari n'a pas mon temps. C'est pourquoi moi je ne veux pas un président de la République. Je ne veux pas une star. Je ne veux pas un footballeur. Je ne veux pas un ministre. Parce que c'est des gens, ils n'auront jamais le temps de leur femme. C'est ça. Ce n'est pas un refus, mais ce qu'ils font ne leur permet pas d'avoir le temps de leur femme. Je ne veux pas un militaire. Je ne veux pas un médecin. Tu dors, on te réveille. L'urgence est là, tu voyages. Donc quand tu as des certains hommes dans ta vie, ce n'est pas un refus s'ils n'ont pas ton temps. C'est toi qui dois comprendre combien d'années tu vis avec la personne. Et être ministre là, ce n'est pas éternel. Les protocoles, on n'en parle même pas. Quand on est protocole, hein? Moi, j'avais un grand, quand il était protocole, est-ce que sa femme le voyait même? Aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir, il est tout le temps avec sa femme. Il profite le temps qu'il n'a pas pu faire, être avec sa femme tout le temps. Aujourd'hui, il voyage partout, il part, il est avec sa femme. Ce n'est pas un refus, ce n'est pas parce que l'homme te néglige ou parce qu'il ne t'aime pas. Mais c'est le temps qui ne le permet pas. Problème que il oublie deux fois même est-ce qu'il a mangé, il oublie deux fois est-ce que même j'ai prié. Mais il faut être dans le cercle du pouvoir pour comprendre que oui, quand on est à des postes de responsabilité, il faut avoir une bonne femme, une femme ouverte d'esprit, une femme qui peut se mettre à ta place pour dire que même si ça fait 2 mois je parle pas avec mon mari, je sais que mon mari, c'est pas parce qu'il refuse de parler avec moi. C'est parce que c'est le temps qui ne le permet pas. Mon mari, moi, il est ministre. Je te laisse des messages, même si tu ne réponds pas. Je dis, chérie, je sais que voilà, le temps ne te permet pas et tout. En tout cas, voilà, ne te soucie pas. Je sais que ce n'est pas un refus qu'on ne parle pas. Je suis de cœur avec toi. Je prie Dieu qu'Allah te protège et tout. Je vais bien avec les enfants. Ça va. J'espère que toi aussi, ça va et tout. Tu l'envoies des messages. Tu lui envoies des messages comme ça. Là, il va se dire que ouais, elle là, j'ai pas. En fait, j'ai bien fait de choisir ma femme. Elle là, oui, c'est elle qui est ma femme. 2 mois, vous ne parlez pas. Mais c'est elle qui m'appelle. Elle m'appelle même pas, elle m'écrit. Parce qu'elle sait, même peut-être quand elle m'appelle, je peux ne pas décrocher. Tu as la pression. Tu es ministre, tu as la pression. Tu es médecin, tu es militaire, tu as la pression. Hey! Mes chéris, si vous voulez un homme qui a votre temps, matin, midi, soir, épousez un fainéant. Épousez quelqu'un qui fait le thé dans le quartier. Épousez quelqu'un qui ne fout absolument rien. Allez-y, épousez un homme gigolo que vous allez prendre en charge. Mais tous les hommes qui veulent réussir dans leur vie, qui décident de réaliser, qui ont des ambitions, des objectifs, ils n'auront pas le temps pour leur femme, le temps que vous, vous voulez là. Ce n'est pas éternel. Après, ils vont se racheter. Mais le moment où ils ont des postes de responsabilité, en ce moment, il y a des choses qui les préoccupent, surtout quand on te confie la nation. Quand on te confie la nation. Donc, ma chérie, tu as tort. Tu vas perdre ton foyer. Après, tu sais ce qui va se passer. Quand Charles ne veut plus de toi là, c'est fini là. Aucun homme ne va oser te marier. Les hommes ne sont pas bêtes. Hein? Ils vont se dire qu'il n'a pas laissé son mari. C'est une femme qui n'a pas souturé son mari. C'est une femme qui est venue exposer son mari. Pas pour la vidéo, hein, mais qui est venue, son mari a mis tout sur elle pour la protéger, pour que la femme le protège. Elle a fait le contraire. Les personnes qui parlent aujourd'hui, on te soutient, c'est rentré. Après 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, c'est fini. Et tu as des enfants qui sont avec
tu as les enfants de Charlotte, 20 ans, 30 ans après, tant que vous voulez, vous vivez là, il y aura de relations entre vous, même si ce n'est pas sexuel ou je ne sais pas, relation monsieur et madame, mais tu es la mère de ses enfants, il est le père de tes enfants. Pour rien au monde, tout ce qui va arriver aux enfants, Charles va décider. Tout ce qui va se passer, Charles va parler de ses enfants. Arrêtez de vous fier des gens des réseaux sociaux. Arrêtez d'impressionner les gens des réseaux sociaux. Ma chérie, la fierté d'une femme doit être quoi? Moi là, moi je suis quoi? Je suis Fatou. Non. Est-ce que vous m'avez vu une fois venir parler ici de mon mari? Est-ce que vous m'avez vu une fois venir parler de mon foyer? Le jour où je vais faire ça, quand la reprend ma vie? Moi, même si demain mon mari fait sortir ma nudité, ma famille va dire, on va le poursuivre, on va faire une plainte. Je vais leur demander, est-ce que c'est votre nudité qui est au dehors? C'est mon mari. Je suis sa femme. Je suis la mère de ses enfants. Donc, s'il fait sortir moi mes nudités, je dirais quoi? Si c'est lui, avec tout le temps qu'on a fait, lui n'a pas eu quelque chose à faire de moi, si c'est pas ça, je laisse Dieu, entre lui et Dieu. Je vais venir parler ici, les gens vont venir l'insulter, insulter sa famille, parler, l'exposer. Après, ça va me donner quoi? Le papa de mes enfants. Laissez les réseaux sociaux, ne peut pas résoudre vos problèmes privés. Moi, je vais venir parler politique. Moi, c'est politique que je parle. Je ne parle pas de la vie des gens. Si tu vas pour toi, là, j'ai mis ma bouche, c'est parce que tu as mis le nom de KPC dedans. Parce que je te pour te dire que aujourd'hui, c'est toi. Parce que ce que j'ai compris, tu veux la confiance de KPC, tu veux l'affection de KPC que de ton mari. Pourtant, c'est ton mari. C'est pas KPC ton mari. On a notre femme, la femme mondiale internationale. Hein, sa fille. Sa fille à KPC, c'est notre femme. La femme la plus. Jamais quelqu'un ne l'a vu sur les réseaux sociaux parler. Est-ce que tu sais là, toi-même, tu peux affecter le couple de KPC en s'asseoir pour dire qu'on a un KPC Nara et puis on a vu qu'on a KPC Moussa. Est-ce que tu sais si sa fille-là n'était pas une femme ouverte d'esprit, si c'était pas une femme qui savait ce qu'elle veut et si c'était pas une femme qui est prête à tout pour honorer son mari? Parce que si on dit ouais, quoi que ce soit, c'est elle d'abord qui va partir pour atteindre son mari là. Pour que quelqu'un vienne faire du mal à son mari, elle ne sera pas en vie. Sinon, tu l'as créé de problèmes comme ça dans son couple. Et j'ai comme l'impression que tu as plus besoin de soutien de... Il ne va plus te soutenir. Hein? Moi, je vais... Ça, il ne doit même plus te soutenir. Parce que c'est toi qui es venu parler de KPC. C'est à cause de son mari, il faisait ça. Donc, tu n'avais pas besoin de venir dire que KPC Nangiraba. Fallait pas dire le nom de KPC. Tu n'étais pas obligé. Fallait l'appeler au téléphone. Ah, Ntara, Diede, pardon. Die, s'il te plaît. Et puis, il t'a l'amour à faire un KPC. Il n'a rien KPC de que ton mari pense que vous sortez ensemble. Et on m'a Guinée, là, Sender, manqué de la Guinée. Quand mon grand veut des filles, là, en homme à façon de venir, je te dis. Mais quand tu dépasses les 40 ans, c'est comment se rapprocher de Dieu, c'est comment se concentrer sur ta petite famille, ta femme, tes enfants. Donc j'ai comme l'impression que tu as toujours... En fait, tu veux pitié. Et mon KPC, Malik Nakigo. Et KPC, Vilibander Nenek. Et t'en as rien auto. Même moi, je m'assois ici, je parle de KPC. Parce que jamais Marabam. Moi, c'est mon frère KPC. Il a toujours été là pour moi. La première personne qui m'a demandé pardon, Fatou, tu es ma petite soeur. KPC a étudié avec mes frères. Les Dine, Amadou, Ntare, Mbakirenye. KPC a étudié avec eux.
Grève 93, là, les lycéens, qu'ils ont fait. J'ai même un grand frère qui avait perdu l'âme. C'était son ami, les Gabi, là, les Sardes. C'est KPC, le frère à nous. C'est l'ami à mes frères. C'est un grand frère. C'est un grand frère. 93, avec quel âge? Donc, il m'a KPC, ma vie naître, en fait, bébé. C'est un grand frère à moi. La première personne qui m'a appelé pour me parler. Pour me dire, Fatou, s'il te plaît, Mounia, Sende Luna et Mamadi Doumbouya Luna. Mamadi Doumbouya Luna. Laisse Mamadi Doumbouya, pardon. Mamadi, c'est comme un frère à moi aussi. Il y a que je suis ton frère. Si tu sais vraiment que moi je suis ton frère, pour l'amour de Dieu, je ne veux plus que tu insultes Mamadi Doumbouya, tu l'attaques, laisse-le. Il a été la première personne à me dire ça, KPC. Là, il est grand frère, mais tu sais, avec toi, mère, laisse tomber, Araba Mafé. Ça, quel est son problème? Il y a l'autre qui dit si 40 ans, 50 ans n'est pas âgé. Mon frère, 40 ans, 50 ans, là, c'est pas aussi jeune. Tu n'as pas 20 ans, tu n'as pas 25 ans, tu n'as pas 30 ans, ni 35 ans. Du moment où tu as eu 40 ans, 45 ans, 50 ans, là, cherche à rapprocher Allah. Cherche à te concentrer, en fait. Cherche à plus faire du... être, en fait, être plus proche de ta famille, ta femme, tes enfants, que d'être avec les petites filles de dehors. Charles, il est jeune. Il est très jeune. C'est son temps de faire, voilà. Charles, c'est juste parce qu'il a été, on lui a confié des postes de responsabilité. Sinon, il est jeune. Il est jeune. En tout cas, moi, je dis, et je vais dire encore, je condamne et je vais toujours condamner toute personne qui va mettre la nudité de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je vais condamner ça. C'est des choses qu'on doit condamner. C'est des choses qu'on ne doit pas accepter, même si c'est notre pire ennemi. Charlotte, j'ai vu là où il a dit qu'il demande pardon. Sincèrement, j'ai trop apprécié. Parce que Charlotte aussi pouvait nier, comme d'autres qui disent aujourd'hui, il y a eu des vidéos, c'est quoi, c'est quoi artificiel? Ou bien c'est intelligence physique. Quoi même? Charles aussi pouvait nous dire ça. Et si Charles venait nous dire que c'est intelligence, écrivez le nom, c'est intelligence artificielle. On allait croire aussi. En tout cas, il pouvait venir. Moi, si Charles me disait que ça là, c'est intelligence artificielle, c'est pas lui qui est là-bas. C'est quelqu'un qu'ils ont déshabillé et puis ils ont mis son visage. Donc, c'est pas lui. Wallahi billahi, on allait aussi prendre ça. Comme gars, ça existe. L'intelligence artificielle là, ça existe. Comme ça là, ça existe. Mais heureusement que Charles White, il n'est pas. En fait, il n'est pas parfait. Il n'est pas du tout parfait. Aucun être humain n'est parfait. Donc, il est venu, il a eu le courage de dire qu'il de pardonner. Donc, on le pardonne. Moi, personnellement, je te pardonne. Tout le monde doit te pardonner. Pardon, moi aussi, je me rajoute. Je vais me rajouter sur son pardon, là. Peuple de Guinée, pardonnez. Pardonnez. Il a dit pardon. Pardonner. Si Charles a dit aujourd'hui, c'est sa femme. Parmi toutes les personnes, moi, madame, je vais te dire, le fait que là, je t'ai entendu là, tu es sortie, moi aujourd'hui, je peux dire que tu peux faire ça. Je suis désolée, mais je peux dire que tu peux faire ça. Parce que une bonne épouse, la façon dont tu t'es comportée, tu ne devrais pas sortir. Moi, ta sortie là, peut me pousser à dire que ouais, c'est que Charles l'a dit sur toi, il n'a pas menti. C'est vrai, c'est toi qui as fait sortir la vidéo. C'est pas ton rôle actuellement. Charles, c'est un homme fort. Il pouvait même se suicider en fait avec ce qui s'est passé, avec tous ses ennemis, avec tout ce qui se passe. Est-ce que tu t'es mis un peu à la place de Charles, ce qu'il a ressenti le jour, le lendemain et sur le lendemain? Est-ce que tu t'es mis un peu à sa place? Ah, le papa de tes enfants, ma chérie. Donc moi aujourd'hui, quand le fait que Charles White a dit que c'est toi,
Moi, je peux confirmer, je peux accepter, en fait, dire que oui, ta façon de réagir là peut moi me pousser à dire que Charles n'a pas menti sur toi. Parce que tu devrais sauver l'honneur de ton mari. Ton honneur doit être ton mari, ton bonheur doit être ton mari. Ta fierté doit être ton mari, ta dignité doit être ton mari. Quand j'entends certaines femmes dire, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, même si vous vous mariez après, vous allez divorcer. Parce que dans votre tête, que l'homme, c'est votre concurrent, quoi. Vous prenez des éducations des personnes qui n'ont pas les mêmes éducations, pas même coutumes, rien de tout. Et puis, vous voulez vous comparer aux hommes. Non, je suis femme, donc je... On n'est pas... Hé, moi, c'est ce qui fait ma force. Si vous voyez que moi, je vais parler à qui je veux, c'est parce que dans ma tête, même mon fils qui a 7 ans, il a plus de valeur sur moi. Parce que lui, c'est un homme. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Moi, j'accepte ça. L'homme est plus que moi, la femme. J'accepte, moi, Fatoumielo, tout ce qui est homme. Toute personne qui a le sexe différent de moi, là, qui est garçon. Même si tu as un homme, tu me dépasses. Je ne vais jamais me comparer à un homme. Vous aimez tellement vous comparer que non, elle aussi, sa dignité. Elle aussi, quelle dignité? Ma chérie, même si aujourd'hui tu avais accepté, tu es sorti dire que oui, c'est toi qui as mis la photo de Charles White. Les gens allaient t'insulter un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et puis c'est passé, c'est fini, c'est autre chose. Et pourquoi tu es allé à la radio? Parce que pour Charles White, là, on commençait à oublier. On a vu une autre vidéo d'intelligence artificielle. On était là en train de parler de intelligence artificielle, hein? Là où le bureau même est artificiel, le bureau est artificiel et la personne est artificielle, les deux personnes qui sont là-bas sont artificielles, tout est artificiel en fait. On nous parlait de ça, on était là en train de dire que est-ce que c'est artificiel, est-ce que c'est pas artificiel. Nous on était passé à autre chose. Après tu viens nous ramener aussi. Tu as quelle mission en fait pour Charles White, ma chérie? Tu as quelle mission? Parce que nous, on était dans notre film d'artificiel, là. Nous, on parlait d'artificiel. L'intelligence artificielle, bureau artificiel, les fauteuils artificiels, l'insigne qui était sur la table artificielle, les personnes artificielles, tout était artificiel, intelligence artificielle. Nous, on était sur ça. Pourquoi après, tu reviens aussi nous ramener toujours le cas de Charles White? Qui t'a mis en mission? Parce que nous, on était déjà partis. On a un film à décortiquer. On a vu artificiel quelque part. On était là, on cherchait à vraiment artificieler ça aussi pour... Oui, on devrait... Pardon, Yari. Pardon. Ah, qui t'a dit de rentrer dans mon live? Fia, la soeur dans mon live, s'il te plaît. Ah, on est dans artificiel, artificiel. Hein? Maintenant, tout est possible. Hey, même moi, demain, là, hein, si je fais une vidéo et puis j'avais... Il n'y a plus de... Je dis, Charles, tu as été honnête quand même. Merci pour ton honnêteté et tout. D'accord? Sincèrement, merci. Parce que tu pouvais nous dire aussi que toi aussi, c'est artificiel et puis on va prendre ça. Mais je me demande pourquoi les artificiels là n'ont pas fait pour Mamadi. Mamadi, Doumbouya. Hein? Mamadi. En tout cas, moi, je voulais voir artificiel pour Mamadi aussi. Là. Comme ça existe là. Les artificiels là, je veux voir pour Mamadi Doumbouya. Je veux voir pour qui aussi? Bon, voilà, c'est pas trop intéressant. Mais je veux aussi voir pour artificiel pour Mamadi là. Moi aussi, je vais tout de suite là, c'est toi. Hé, hey, Yanni, pardon. C'est pas moi, de... Moi, je ne fais que parler. Voilà, moi, je n'ai rien fait. Voilà, je dis, voilà. Donc si demain aussi... Non, mais il faut faire attention. Mais attendez, l'intelligence artificielle,
Ça est dans tous les téléphones parce que moi j'ai envie de désactiver pour moi si ça existe pour ne pas que demain je me retrouve aussi sur la toile intelligence artificielle. Non, je ne veux pas ça. Sincèrement, si c'est dans les téléphones, les iPhones ou c'est pas, il faut me dire. Voilà. L'intelligence artificielle, ça peut déshabiller. L'intelligence artificielle peut faire bouger. L'intelligence artificielle peut le bureau, machin, tout ça là. Et l'intelligence artificielle, sincèrement. Donc, Madame Charles, nous on était dans notre film. On est là en train de décortiquer. On a vu film intelligence artificielle. On parle de bureau. On a vu tellement de choses et tout et tout. Je vais profiter de l'occasion. Je vais vous dire une chose. Vous aujourd'hui qui parlez de l'intelligence artificielle et puis vous parlez de Fatou Niémé. Quand moi je suis sortie ici, personne ne m'a soutenue, non? Vous avez dit n'importe quoi. C'est pas aujourd'hui là. Après vous allez venir dire qu'elle avait raison. Enlevez-moi mon nom dans l'histoire là. Hein? Quand j'étais là, l'année dernière, 2022, là, mars comme ça, 2022, j'ai même été en prison. Parce qu'il est sorti juin 2022. Il a été arrêté le 28 septembre 2021. Mars 2022, il a été en prison. Comme ça, je sortais, je parlais, après on me traitait de tous les noms d'oiseaux. C'est pas aujourd'hui parce que, voilà, je n'aime pas que vous dites que Adia Fatou Niélo n'a pas menti, elle avait raison. Pardon. Aïe, c'est moi là. Enlevez mon nom dans l'histoire. Enlevez-moi dans l'histoire. À l'époque là, il fallait sortir me soutenir. Je me suis battue toute seule. Je sais ce que j'ai traversé, j'ai subi la pression que j'avais. Seul Dieu m'a protégée, comme Dieu lui, il est pour la vérité. Dieu m'a vengée. Dieu m'a enlevé dans la main de mes ennemis. Il m'a pris de la Guinée. J'étais même menacée de mort. Je risquais ma vie gros. J'ai pris mon vol. Allah m'a sauvée. Il m'a aidée. Je suis rentrée aux États-Unis. Je suis ici. Donc si Dieu a fait moi mon combat, moi il n'y a que Dieu qui a fait mon combat. Donc vous dire que Fatmiel avait raison, pardon, alien Tobala, Wungli Bakui, enlevez mon nom. Itei Indianen et moi. Fatou Niélo a raison ou pas, levé. Je vais dire ici aussi encore. Les vidéos de sextape là, il y a beaucoup de gens. Il y a aussi d'autres leaders politiques. Je vais vous dire, le temps de FNDC là, il y a eu des leaders politiques qui se sont retirés de FNDC. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des vidéos artificielles. Il y a aussi d'autres grands leaders politiques. Il y a pour eux aussi, ça existe. Donc si vous voyez, eux, ils ne parlent pas là, parce qu'on les a envoyés déjà, les gens, qui de droit a envoyé les vidéos, ils ont vu. Donc pour ne pas qu'ils se retrouvent aussi sur intelligence artificielle là, ils ne parlent pas. Donc c'est beaucoup. Ils ont été piégés, il y a plein de leaders, il y a d'autres leaders aussi, politiques. Ils ont leur vidéo intelligente artificielle. Donc, il y a des gens ici qui soutiennent Doumbouya. Ils ne le soutiennent pas parce qu'ils aiment Doumbouya. C'est parce que leur intelligence artificielle est avec des gens. Et eux, ils ont reçu ça. Donc, ils se sont tués ou ils parlent bien de Doumbouya. Donc, calmez-vous. Hein? C'est pour qu'on doit condamner. On doit condamner la nudité des gens. On ne doit pas accepter. Achou. Paniqué là, arrête. Arrête mon bébé, toi aussi. Sors dans mon live. Je n'aime pas ça. Donc, intelligence artificielle là, ça existe aussi avec d'autres leaders politiques. C'est pourquoi eux, ils ne parlent pas. Wallahi billahi tallahi. Il y a tellement de vidéos intelligente artificielle. Il y a même pour un. Menge. Hein? Il paraît, il y a même. Il y a même pour Mengue. Bon, pardon, Yandi. Il ne faut pas après comprendre tout ça là, mes jours. En fait, je t'aime beaucoup, mais je veux que tu arrêtes. Imbécile. Que tu, je veux que tu arrêtes d'insulter. J'ai insulté ici, imbécile que tu es. Toi, Abdul Gadir ou Diallo. Tu ne peux pas aller dire aux gens d'arrêter de m'insulter. Est-ce que tu m'as vu insulter ici? On m'insulte matin, midi, soir. Ça, vous n'avez pas la bouche. Quand nous, on paye, on replique. Et puis après, vous allez dire arrêtez d'insulter. On m'insulte, j'insulte.
Juste qu'il y a des gens, je ne vais pas les répondre parce qu'eux, ils ne méritent pas. Gaï, arrête d'insulter. Tu m'as vu insulter. Escroc que tu es. Tu recris encore ici, je te bloque. Donc, madame Charlotte. Ma chérie. Tu as tort. Tu as tort. Ton honneur doit être ton mari. Ta dignité doit être ton mari. Ton bonheur doit être ton mari, le père de tes enfants. Tu ne dois pas avoir d'autre dignité à part lui. Ton paradis, c'est ton mari. Histoire de mari, là. C'est pas ta copine, hein. Et c'est pas ton copain, hein. Il faut faire la différence entre copain et copine. Mari et femme. Et la femme. C'est quoi la femme? La femme doit être une protectrice. Tu dois protéger. Aujourd'hui, j'ai pas aimé le fait qu'on parle du nom de mon grand KPC sur partout. C'est grâce à toi. Parce que c'est toi qui es sorti parler de KPC. Et quand Charles White a parlé, en aucun cas il a confirmé que tu sortais. Même quand on lui a dit, il a dit, en fait, lui, il n'a jamais dit que non, KPC effectivement sortait avec ma femme. J'ai vu les messages de KPC. J'ai vu que oui, KPC, il n'a pas dit ça. Il a expliqué, toi t'es dit. Et vous savez, il y a d'autres femmes, elles ont des problèmes. Hein? Vous savez ce qu'elles font? Tellement qu'elles veulent faire de l'importance sur eux, elles vont aller faire croire à leur homme qu'un homme, une personnalité, veut d'eux. Donc, nanana kawa, Rachel Rita Mouam en Rome. Alors, KPC est en Rome en Rome. Allez à Moutoufa, à Mourayabou, mais il a l'argent. C'est que tu avais voulu faire comme croire ça à Charles White. Alors, si toi tu me négliges, alors tant qu'à PC, parce que on a message dire que même si je couche avec lui, ma chérie, il a le pauvre KPC, il t'en a refirmé, Remato. Il mérite pas ça. C'est un homme qui fait du bien aux gens, c'est un homme qui a un grand cœur. Ça me fait mal parce qu'il mérite pas ça. Moi, j'ai recommandé combien de personnes sur le grand là. Anne et Mali. Pourquoi? Avec tout ce qu'il a fait. Même si c'était un jour. C'est normal. Allez, elle dépensera sa main. C'est pas une faiblesse de ton mari. Parce que peut-être que oui, à l'époque. Et ton mari, il se méfie peut-être. Parce qu'il sait que Birindora avait. Affaire de nana, cobre mounye phénomène à Roumamène, moufamane, moubote, bombo, moussabar, bombo. Il connaît ça. Donc il va tellement être méfiant que. Parce que de nos jours, les gens d'être iniwaïma et enregistrement. Même quand tu veux demander service à quelqu'un ou tu veux faire certaines affaires avec quelqu'un, la personne t'enregistre. Et la personne va garder, va attendre le bon moment. Anafindara, arme là. Donc ton mari est là, il se méfie tout. Il a dit à ton à KPC. Ton mari était magistrat. T'as des relations n'est là depuis. Donc si il dit à ton mari, je suis nommé, je suis procureur, j'ai pas les moyens. Moi, mais Ramali, c'est normal, c'est pas honte, c'est pas une faiblesse. KPC, oui, Amérique Malima. KPC, c'est pas un ministre, c'est pas un directeur. Il n'est pas DAF, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui a cherché son argent dans la dignité, en fait. C'est un opérateur économique. C'est un entrepreneur. Il a créé sa société et tout. Donc, il a eu la chance d'avoir les marchés de l'État. Et il est où le mal? Il gagne sa vie. Il fait du bien aux gens. Il partage ce qu'il gagne. Mais il est où le mal? Quand tu casses PC te rend service, où t'as rien, ma mère gare ou mère malifée. Si vous voyez aujourd'hui des ministres qui sont ici, là, ils n'aident pas les gens. C'est parce qu'on t'aide demain, ça ressort. Après, c'est pour dire, le ministre a levé l'argent là, où? Pour t'aider. Hein? Il a levé l'argent là, où? Mouri n'est pas au Mali, ma où n'est-ce que tu as? Arrêtez de venir dire les noms des gens sur les réseaux sociaux.
les personnes qui vous ont aidé. Et arrêtez de venir parler de vos vies privées, vos couples sur les réseaux sociaux. Amour Malima. Ma chérie, nous sommes divorcés. Dis-nous, nous sommes divorcés. Charles White. Je peux voir, peut-être on va lever côté frère là. Enfin, d'arriver. Et je vais tellement le protéger et être fière de mon mari. N'a protégé ma à la dernière énergie. Mais nous m'avons fait voilà. Nous sommes à un box qui n'a pas de neuf. Le marabé Luna, pardon. C'est ça. Donc, à un moment donné, arrêtez. Ma chérie, Charles n'a rien à perdre. Il peut ne pas être ministre. Il n'est pas né ministre. Est-ce qu'à Barre, il y a un ministre là? Charles White ne s'attendait même pas à être ministre dans ce pays-là. Il est magistrat. Il ne s'attendait pas. Donc, si Dieu a voulu qu'il soit ministre, et après, il n'est pas ministre. Ah, tout ça là, c'est pour ne pas qu'il soit reconduit. C'est clair et net. C'est ça, non? But nanana. Parce que Guinéenne nana, il n'y a rien. De fait que tu te dis que ton mari n'a pas de considération pour toi, ton mari ne te calcule pas, alors on a fini de ministre là son nom. Vous avez joué le jouet. Il y a eu des journalistes qui ont sorti menacés, dire que ah, on a tes vidéos, ils ont dit. Donc ça, là, le plein droit d'aller porter plainte. Mais Charles, tout ce que moi j'ai à te dire, mon frère, pour l'amour de Dieu, épargne KPC dans l'histoire là. KPC n'est pour rien. C'est ta femme qui veut te mélanger avec KPC. Il ne faut jamais accepter qu'une femme te mélange avec qui que ce soit. Tes relations, tes bonnes personnes, il faut les regarder pour toujours. KPC, il doit rester ton frère. Mon frère KPC, pour l'amour de Dieu, il ne faut jamais accepter qu'à cause de la femme de Charles White, que tu vas avoir des désaccords avec Charles White. Vous êtes tous de la base, comme vous êtes des frères. Restez des frères pour toujours. N'acceptez pas qu'une femme, grand frère KPC, je te dis aujourd'hui, la femme de Charles, c'est elle qui a fait des illusions dans la tête de Charles White. C'est elle qui a fait croire à Charles White. Tangaï monama, KPC tangaï nama. Pourtant, t'amara kelganama. Moi, je sais que tu es très honnête. Moi, personnellement, je sais ça. J'ai envoyé tellement de gens, tu les as aidés. Ibaran tamali, moi, je suis ta petite sœur. Je suis une très belle femme. Une très belle femme. Et une femme protectrice. Mais moi, les gens là, vous êtes tous mes frères. Moi, mon bébé, il est à part. Quelque part à part là-bas. Que personne, même quand tu le vois après, on te dit c'est le bébé de toi. Tu vas dire, ah bon? Oui, ma vie privée reste privée. Non, grand frère, Charles. KPC, s'il te plaît, faut jamais accepter qu'une femme, une femme te mélange avec ton frère. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Le bienfait que tu fais. Et à cause de ça, faut jamais changer. Reste comme tu es. C'est parce que tu, tous les jours que Dieu va faire là, tant que tu fais de bien, Dieu va te tester en fait. Dieu va mettre des épreuves, voir est-ce que tu vas changer pour quelqu'un. Est-ce que le bien que tu faisais là, tu le fais pour moi ou tu le fais pour les gens. Donc reste comme tu es. À cause de ce problème, ne te pousse pas à changer. Je sais que tu as des milliers de gens qui sont là à ta charge et tout. Donc à cause de l'histoire là, ne dépose pas les familles là. À cause de l'histoire là, n'abandonne pas. À cause de l'histoire là, ne dis pas que non, moi je ne vais plus faire du bien. S'il te plaît, Dieu va te protéger. Allah, il va te protéger, il va te lever, il va te grandir. Tu es un homme d'affaires. Tout présent qui va venir, tu vas être. Parce que toi, tu n'es pas politicien, tu ne parles pas politique. Et c'est ton droit d'être avec tout présent qui va venir. Parce que tu es un homme d'affaires. Sincèrement, moi, tu as tout mon soutien, mon grand frère KPC. Pardon, il ne faut jamais accepter à cause d'une femme, toi et Charles, les relations que vous avez et tout. Et reste dans ton silence, ne dis rien. Charles a parlé, hein, mais si la femme de Charles n'était pas sortie, je pense bien que Charles n'allait pas parler. Donc Charles a parlé parce que sa femme a parlé. Et là, aujourd'hui, sincèrement, voilà, reste dans ton silence. Voilà. C'est la femme de Charles qui a fait croire à Charles, parce que même nous, c'est ce qu'elle nous a fait croire ici. Parce que comment est-ce qu'elle peut dire que... Et puis regarde là, elle veut sauver son intérêt, quoi. C'est son intérêt qui l'intéresse. Là où elle dit, ah j'ai dit, Amara Bama, il
mutana bolo ali mamu ma chérie peka pese iba banara itan atani baraki kana de hadena kai tandare nyam manama iba toujours t'aider te prendre en charge. Il le faisait à cause de ton mari. Comme toi, Anna, Ramaraba. Anna, Ramarakli. Anna, arrête de ne faire rien. Pourquoi tu veux qu'après, il y ait ma kini fait? Awa, amou, il faut sortir travailler. Ou tu dis à ta famille de te venir en aide. Eh bien, Tanya, moi, je suis trop différent de vous, hein. Parce que, Anna, Ramaraba, Anna, Rima, c'est També. Nara, mon mari. Hala amu na gere haret ira gere tam fringa gere na usangli ah mwa maira ba febe na mane no merci beaucoup nta ira aide nu na tongo mamma ka mena nga fe inu mba ba to gere kana ki hali mu se sera ba mu be sono kamu tam fa ka mai tore na ku mu fa ma ku me mwa mi ha fe fe ko ma nta ni ira en frango ngone mma ka mena nga fara donc toi tu mu na inu mma ka meta gi sincèrement ya ko bi ragata. Parce que toi aussi, tu as des familles pauvres, rien n'est ira. Si tu n'as pas des enfants pauvres, ou frères, sœurs, même mères pauvres, mais à village et biri, tu as des pauvres là-bas. Donc ça n'est mal. Mais non, là tu veux, tu préfères perdre ton mari, mais garder ce que. Kapese, kini kapese, ce que. Charles a raison. Là où il a dit quoi? Charles, il a raison. Mais il n'a pas compris, c'est toi, c'est pas kapese. Il t'a là, fala me rebe, à Charles, KPC, non, c'est un fait. Il y a le bloqué. Non, non, non. Si tu es dans le live, il faut bloquer quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui me dit que je suis belle, il y a l'autre qui vient insulter. Mon frère, tu es jaloux parce que la personne a dit que je suis belle. Pourtant, c'est vrai, il n'a pas menti. Je ne suis pas ta femme, donc tu ne dois pas insulter quelqu'un qui a dit que je suis belle. Alors. Madame Capes, madame Charles White. Il t'en a dit la barre. Charles, moi je suis d'accord avec toi. Quand quelqu'un t'aide et puis après tu entends ça par d'autres personnes. Mais là où tu t'es peut-être tu t'es dit te tromper. Pour toi que c'est Capes, là je peux te confirmer. Je dis je peux prendre ma main, je le mets sur le Coran. Capes ne va pas dire ça à quelqu'un. Il est très méfiant. Il sait de nos jours, les gens, ils enregistrent, les gens, ils capturent. Donc, il ne va pas se permettre de parler des choses qu'il fait aux gens pour ne pas qu'ils soient enregistrés. Il ne va jamais le faire. Je peux mettre ma main sur le Coran. Billah et KPC ne va pas le faire. C'est ta femme, là. C'est elle avec sa bouche qui n'est pas fermée, là. Hein? C'est elle qui est sortie dire aux gens, « Marbenya, nous nous sommes en charge. Nous n'avons pas mon KPC. » Si il est ministre, il est en mon accolo. Mais ma chérie, il y a un KPC, Kereni, Kerenou. Ha, ami Kolo, est-ce qu'il y a un Malima? Il y a un Malima, il y a un Malima. Ce KPC, c'est ce que tu as fait. Il y a un Malima. Si tu as quelqu'un à remercier, c'est ton mari, ma chérie. Ce n'est pas un KPC. Hein? Si tu as quelqu'un à qui dire merci vraiment, c'est Dieu après ton mari. Parce que Arabari, il va ramener. Donc, moi, tu m'as déçu. Moi, Fatounia, tu m'as déçu. Nira, Nira, sortir à mère, Nira, mère, Nara, Nira, mère. Nara, tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas été une bonne épouse. Quand tu étais une bonne épouse et tu n'as pas eu des conseils, et il n'a combi malé, il n'a pas combi malé, ma chérie. Du moment où il a ramené ministre, même si il a mon narade, il a ramené le film de personnalité publique. Là. Il n'a combi malé, il n'a pas combi. Il ramènerait combi. Du moment où ministre, et puis Charles doit être ragué. Donc, il y a un flèche dans une vidéo sans nous. Il n'a pas combi malé. Charles Bitaigné est combi malé. C'est normal. Il faut dire mané parce que c'est toi qui dis fait nan. Il faut dire mané parce que il nga nu iba ba ko mbira ka me nan nga fira. Ndambi ta ni ba ko mbibe. Ma ka me nan nga na ba ba ka me rebire ba na kan e ba fe la kan sa na fari. Feu ko mbima ntam ma fira. Ntam ma fira.
tant. Poste de responsabilité, Yomunambe. Le fait que je milite dans un parti. Enga kontanyanga numba. Erata sabia nananara. Même en mbitanye epiri. Mami refali meri. Ce que. Eni kombiti ma yaman. Ali, ali, nina fan meri nerema. Les gens là n'épargnent pas. Quand la femme, non, et ma photo zari, enga numba kombi fait. Ministre Ragine, enga nui baba mou kombi ma. Dis nous bari. Abir une fille ma ramerema. Nga kombi numba ba kombi. Anat fille ma ne a ramerema. Et rani fait ma kaye woto numba ngrita be. Et man na soto manera. Ina me di nana. Di rafe nantanya ma. Inga bombo, ibaba bombo, sanke mu fekana. Itan sa fekana me nefa ebira inga nui baba ma. Di rafe nantanya ma. Inga nui baba kombi. Donc Charles Rabit habitagne et colon et combien mané parce que Radi ministre na la Guinée la Guinée ta mousse ce colon faut Guinée combi et puis mi et mi nga combi mago habitagne parce que colon na non colon ma et si habitagne non combi ma donc il tanga on a na rien les familles fait justifier après la partie j'ai entendu ngelo Charles va être petit sûr ma chérie halina nous la râler son film. Charles White ira ramer à ton année le condamné 5 ans. Il va à ton nord dans la réalité, nous le bénin. Pourtant, ni le condamné moutamba à barra pouvoir tant nama RPG. Nous donnons le renta à la baie après un ragrandé, un ralès tombé, il y aura rien tout ça. La même ta couleur justice fait à y rattraper malin. Nous le bénin. Bé, nama téléphone ton gong avocé. N'arrive ça appelle là-bas. Dire qu'on est contre la décision. Il va ramener le condamné. 5 ans. Mounjan 5 ans là-bas. Moutou appelle là-bas décision. Amman faut le condamner 2 ans. Après les 2 ans là, il a fait 9 mois. A famille Géli. Toi, Amou Charles White. A quoi moutan de la moutana? Moutan mouhonnante mouna moutana. Moutan mouhen na gatama. Moutan, mais le moutan c'est parce que mon moutan colon. Mon mari est en yéma. Et allez, il y a un fonné à la moura. Tu n'as mon atout, finir, il se te fait. Moumouna la rime manara. Mouni soutenez mané, mouna mané. Non, tu ne mérites pas ça. Parce que moutan colon, mourons, personne ne mérite le malheur. Moutan gourouné, tout le monde doit avoir le bonheur. Moutan baba, à mourouné, hala moudie, mouma, mousso maldiana. Donc, mais rien nous ferons à la il est à Diama. Parce que Allah a te dit à Oma. Hamou dit Oma nous. Ha, Ali va vous faire un rêve. Moulou ma belle. Vous avez compris ça? Donc, il a Toto. Ousmane Nielo, nous Charles White. C'est pourquoi en toi, RPG, c'est un déto. Et Rawain, nous n'avons pas les véhicules. N'a pas si Charles l'a condamné Nielo. Niel a été condamné sous le pouvoir, notre pouvoir, RPG Arc-en-Ciel. Alpha condamné non à président. Ils ont accepté qu'il soit condamné. Et moi, là, il faut que Niel ait été condamné. Il a été et il a petit, mais non, laisse tomber. C'était un piège. Si un jour, nous, on allait dire qu'on allait quitter le RPG, c'est pour que cette plainte rattrape Niel. Mais toi, tu n'aurais pas dit qu'il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas dit qu'il n'y aurait pas. Et bien, il y a un fait quoi? Et bien, il y a un fait quoi? Alpha, quand on a dit Ousmane, il y a un fait. 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 Donc, il y a un fait. 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 Alpha m'a pardonné. Donc, on t'a dit que mon fils est rabat. Tu reconnais, tu m'as fait ça. Tu me parles, tu me dis pardon. Je vais te pardonner. Donc, si il y a le dire Charles White, il est où votre problème? Pourquoi vous êtes fâché? Pourquoi vous êtes fâché? Vous êtes fâché. Donc, Rano, Charles, toi, ils sont devenus des frères. Il est où votre problème? Il est le fatal à Pignan. Il a bien fait. On est RPGiste. On est Alpha. On n'a jamais changé l'amour pour Alpha. Mais c'est pas parce que Alpha ou certaines personnes sont. Et déjà, écolo. Moutan moutoun tungere rabama.
Moura Guerre va toujours être personnel. C'est pas parce qu'on aime Alpha ou on aime quelqu'un que quand tu es en guerre avec une personne et que nous on n'a pas de problème avec cette personne qu'on va t'aider. On n'est pas dans l'histoire d'être moi à détester. Nous les Nguelo, on n'est pas dans ça. Si on peut arranger le problème entre vous, on va l'arranger. Si on ne peut pas, on va pas se mettre. On va être sincère. On est amis, on va pas parler de toi à l'autre. On parlera pas de l'autre aussi à toi. Ce qui nous lie, nous lie. Ce qui me lie avec les autres, nous lie. Nous, c'est ça à nous, les Nguelo. Apprenez à nous connaître. Et nous, quand tu nous considères, quand tu as la considération pour nous, tu feras de nous ce que tu veux. L'argent, là, on aime l'argent, hein? Mais l'argent ne peut pas nous faire faire ce que nous, on n'a pas envie de faire. Moi, personne ne peut me payer pour me défendre. Je te défends, je défends la vérité quand je vois. Donc, moi, ce que j'ai à dire à mes deux frères, Charlotte KPC, je vous en prie, à cause de femmes, vous n'avez guéri. Grand KPC, en fait, Charlotte n'a jamais dit que tu sortais avec sa femme. C'est sa femme qui a fait croire à Charles et nous autres qu'il y a eu quelque chose entre vous. C'est elle, là, le problème, c'est la femme de Charles. Et la femme de Charles, moi, Fatouille, là, aujourd'hui, avec ta sortie, là, Charles a dit que c'est toi qui as fait sortir la vidéo. Avec ton comportement, ta sortie, moi, je peux croire à Charles. Tu as déconné, ma chérie. Tu n'aimes pas ton mari. Nta, ara fama, haiti ton na be dan na kay amura fema, khanura fema no. Ruomu ni hui mema. Khami ni re se hui mema ni ama nen tan shal wa. Ma ga mera video nta na ara mena me. Ko no mare kel gama. Ma telephone na mi re na ngata ke fa ma telephone na so a video fa mena. Bo die. Go die ala no ngana be. Ma chéri, ira ga mena sudrak. Est-ce que tu sais Nahambi, à la fin, sauf que Nahambi, à la fin, n'a pas même. Il va y avoir un soutra. Est-ce que ta colonne Nahambi, alors qu'on a qu'il n'a pas fait même. Il nous chaloua et tu finis de manière à bobo là. Surtout rien à colonne, chala colonne, aïe toi n'y guerne. Anasar ne rouma parce que t'as un petit manéna. Anasar ne rouma parce que il attend ce que Ahadi n'a pas été là. Parce que tu as un moment où 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 Charles, qu'est-ce qui t'a poussé à dire que c'est moi? Amane, toi-même, tu sais, tu vois, je ne suis plus une petite personne dans ce pays, j'ai occupé des postes de responsabilité, donc il fallait que je mette ça sur toi. Et qu'est-ce que tu as un sauveur là? Vous voulez, vous savez pas aimer, hein? Et le mur a failli faire mal à Kanyebe. Nta mur, ma mur fanye, mur de rire à fin. Ben on s'est réli. Ali man tambara faka. Ali man tambara faka. Vous savez Ousmane Nguelo? Quand Nguelo était en prison, il avait son téléphone. Tous les conneries qui se faisaient là, Nguelo est dans l'arabama. Mais un jour, j'ai pas dit que c'est pas moi, c'est Ousmane. Les postes là, les attaques là, les gens, tous les postes qui postaient, hein, les gens disaient que, hein, et moi je vais vous dire, c'est Nguelo qui me disait, hey, déjà moi je suis en prison, sors, tu dis ce que tu penses. Mais est-ce que l'orquet de moi je suis venu dire ça ici? Est-ce qu'un jour moi je me suis assis sur les réseaux dire que c'est pas moi ou j'ai refusé? C'est lui qui est en prison, il m'a demandé de faire des choses, je fais. Il fait des postes, il attaque, il fait tout. C'est Nguelo, il avait son téléphone. Mais après les gens disaient, hey, Fatouille, y a un diamoura fama. Je voulais faire moi ma balance, moi ma wife, mais il y a un abundou, un akilin wawen. Il y a la flamme, il y a un abundou. Lève-toi, tu parles. Déjà, moi je suis en prison, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il peut? Et moi, ma sœur sera nabé déjà. Est-ce que Mfane Rezoma, Nafle non ta mère, les postes là, c'est pas moi. J'ai accepté. Gakere n'y a fait. Et il ne me rira faillite, manabe, fendende nana. Donc, Madame Charlotte, tu n'as pas de conseil. Il y a un frère qui est venu sortir là-bas. Il y a un frère qui tu devrais vraiment pas sortir parler. Il y a un frère qui est venu la Guinée. Il n'y a pas quelqu'un qui est adorable comme que le Guinée. La Guinée, quand on a un frère, quelqu'un qui est venu à la Guinée, il y a un frère qui est venu à la Guinée.
Mais dès que tu dis, Wodie, hé, la Guinée, moi, Nakatamago, tu dis pardon à un Guinée, wallahi billahi, c'est fini. Il te pardonne. Ma chérie, une minute, mané. Une minute. Une vidéo là-bas. Une vidéo. Il y a fallu la Guinée, ka. La Guinée, ka. Pour Adina, nana. Fais la maman, ma mère, ma soeur, ma soeur. Waraba alonu nga nabi khafi wodiyama 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 birima wodiyamuma ji ntanara magame mu wule yo sa ngum fari magame non dina falari même fa mara kele kama e ngata ke ne ga ora touri rezo ma be me re me ne ne wembe ina ga en yire kolon ne re na fa e fa ngata ke to ngata ke mun no ma wende. Parce que mon maman, maman fallait pas l'attaquer. Maman a fini de voir une bête là. Ma caméra a problème et bon. Vous dites alors nous on n'a pas fait. Mutan, ah vidéo mineur, ah la vidéo ma caméra. Mutan a filmé, mutan c'est normal, mutan on voit le filmer parce que mon ana alors qu'on fait un amato, fait un amato. Mais bande là mine ma bé et ma téléphone là sur une mira. Et vidéo là mine. Waraba alanung an nabi rafi mumade baba sama tande munara ba ma mara kele mama video man ko tanam ma fo mutala ma kanal tan ma wodie ah ma chérie ça allait te grandir mutan mini manebe muni madie mun ce que mubiri madie muna musay fari ya fala mara la guinée guinée birengle wo sama wo ma ma madie mbé mara kele gama wo la guinée kapiri madie mbé wo ngi wo guinée biri mari wo xamé biri. Ma chérie, on allait sortir ici t'accompagner. Pardonner, tout le monde, pardon. Ya fala mamadi, mamadi, Doumbouya, Dieu. Le président, pardon. Ma Dieu, ma mère, mais est-ce qu'elle va les ruiner? Je vais, c'est Doumbouya même. Toi, tu veux détruire ton mari. Ah, ah, ton infidélité, ma chérie. Est-ce que Doumbouya a infidélité, quoi? Est-ce que Konaki Rame a infidélité, quoi? Tant ma vie privée fala ma benana sinon tant fait la hambara dangi tant fait on fan mini sen de ma fe mais est-ce que l'on kere miri maran tam mena fala rabi te ga mera infidélité kolum est-ce que toi tu connais c'est quoi l'homme khame yonu ma ga mera parce que infidèle nara li mai mi yete kolum parce que yonu ma ga mera infidélité rafera et ça doit ma bête na lui il fera pire et puis ma chérie tant que la ramène mi rungé ou il rungé ram masama tant que la ramène mi do bourré ram masama tant que la ramène mi bourré ram masama dis-toi alhamdoulillah khassa langue araba nous guiné bête machallah parce que ram entourage tant né mi tomé fala pro kadina ko la ramène langue ko kinaka. Mais la Guinée bourrée. Ah! Guinée, on a ramené l'infidélité à Lima. Tu es zéro.